Dans le sens de la marche avec Menini, oh, super pour Suta, Suta qui peut servir Stephen Armitage, repris à 10 mètres de la ligne, Klaassen même côté, Guito pour Mascaro pour l'essai. Ah, c'est bien joué, c'est très bien joué. Les avants qui font le boulot, les trois quarts qui finissent les actions, c'est magnifique. Et c'est vrai que c'était dans un mouchoir encore, il était dans 5-6 mètres de large, mais Guito a parfaitement fixé son vis-à-vis pour mettre Mascaro dans l'intervalle. Et on reste impassible. Voilà, on voit, y a l'alternance, hein, y a des passes. Menini joue parfaitement, il met dans l'intervalle aussi son partenaire. Ah, là, le ballon sort. Pour ouvrir la porte, il est parfait en tenant un petit peu le ballon. Voilà, ça joue dans 6 mètres et là c'est un 4 contre 2, difficile à défendre. Alors on voit Suta qui fait bien la passe aussi, qui arrive à faire jouer. C'est ça qui est assez intéressant, hein. C'est-à-dire qu'on voit des avants toulonnais aujourd'hui qui arrivent à se faire des passes, qui arrivent à jouer dans la défense avant, voire et même après contact. Et ça c'est assez intéressant et c'est très déstabilisant pour les défenses. Et je trouve que les Rochelais mettent un petit peu plus de temps à se relever maintenant. On avait vraiment, alors effectivement maintenant ça commence à devenir lourd physiquement, mais ce petit dixième, ces petits dixièmes de seconde où ils mettent un peu plus de temps pour se relever, ouais, ouvrent des portes, ouais, aux vagues successives toulonnaises. Et n'oublions pas qu'ils sont 13 aussi, donc forcément il y a des surnombres. Et avec le vent, Matt Guito qui réussit